Candy? Candy? Ah, c'est vous, Albert. Docteur Martin. Mais je suis surpris de vous trouver ici, comment cela se fait-il? La voir dans le parc à l'heure où elle devrait se trouver à son travail, j'ai bien peur que le directeur ne l'ait mise à la porte pour une raison que j'ignore. Eh bien, Candy, est-ce vrai? Oui, enfin, je veux dire, en partie. Par ici! Attention! Un lion s'est échappé! Ah. Ah. Oh, Albert, j'ai peur! Allons, Candy. Un lion! Il faut surtout garder son sang-froid. Il n'a pas l'air commode. Allons nous mettre à l'abri. Reculons doucement derrière un arbre, mais en lui faisant face. Ah! Candy! Albert, revenez! J'y renonce. On n'arrivera pas à le reprendre vivant. Alors il n'y a plus qu'à l'abattre. Non, ne tirez pas! Comment s'appelle-t-il, votre fauve? Il s'appelle Tongo, mais il ne veut pas m'écouter. Allongez-vous à terre et ne bougez plus, je vais l'abattre! Non, ne faites pas ça! Tongo, approche. Je ne suis pas ton ennemi, Tongo. Je connais bien l'Afrique, tu sais. Surtout l'Atlas, où tu es né. Tongo, approche. N'aie pas peur. Approche, Tongo, je ne te veux aucun mal. Vois mes mains, Tongo, elles ne sont pas armées. Je n'en reviens pas encore. Il avait l'air féroce et vous avez réussi à le rendre aussi inoffensif qu'un mouton. C'est à peine croyable. Ah, j'ai cru ma dernière heure arriver. Ah, vous exagérez. C'est vrai, il y avait de quoi, j'étais morte de peur.